إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله نكمل avec le son chapitre صلاة الجمعة إلى nos causes concernant cette passage cause valer jour jumma valer jour jumma une petite chose qui nous pas cité. Alors nous citer ensuite nous pour continuer c'est jusqu'à la jannah vendredi les points jours spéciaux la jannah jour jumma les points jours spéciaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il y a dans la jannah la souq yatunaha kulla jumu'a. La jannah est un bazar qui est habitant de jannah, je crois ce bazar là chaque jumma. Fi kuthban al misk, dans ce bazar là un colin misk parfum. Fatahubbu rihi al shamali wa tahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Et un divan qui vous venez, vous voyez, vous soufflez sa muscle et sa brune, l'eau, l'habitat de Jannah, votre figure et votre vêtement. Fayazdaduna husnan wa jamala. Quand sa divan-là vous soufflez et vous prend sa parfum-là, vous tapez votre figure et votre vêtement, l'habitat de Jannah, vous pouvez une plus jolie qui je t'ai aidé. Vous pouvez une plus jolie. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Le cas où vous retournez depuis sa base, alors vous êtes dans la carte, vous êtes madame, vous trouvez que vous êtes chef d'une ville plus jolie. Et vous dites à eux, « Ahlou, Wallahi, la padizdadum ba'dana husna. » Alors, madame, qui était dans la case, dans le jardin, dans le château, quand Michel a prévenu, madame, vous dites, quand tu charles, tu vas être tant joli, quand tu retournes, tu es bien plus joli. فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. إيه بالمشي كزوجو قد ما دام بال ما دام كزوجو قد زوج فامي زوجة بزوج روسي كان يشعل زوج باتي أدان زولي كوما أستيلا زوج فيمين زولي. ألو سحدي كان مدرم سان جوما بودي لبال أبيتان جنة وعمانتي بودي لبال habitants de Jannah pour augmenter. Alors, il y a ce cas dans Jannah, jour vendredi, c'est un jour spécial. Ensuite, nos explications concernant Salat Jumma, l'obligatoire. Salat Jumma, l'obligatoire, mais tu sais que, il y a pas un bénéfice, jour Jumma, c'est qu'il y a sa joula, au lieu Salat Zohar, mais là, Salat Jumma, et le vincit sous bref qui me cause concernant l'obligation de faire cela. Jumma, celui qui, trois Jumma, il vient rater, qui sous conséquence. Alors, et là, il concernant l'obligation de faire Jumma. Premièrement, c'est cela Jumma, l'obligatoire, alors celui qui peut être Adan. Celui qui peut être Adan, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Jumma. على من سمع النداء ثم الاوبليغاتوار هو celui qui peut être adan celui qui peut être adan et ça c'est ويا بن صلاه en jamaat le sentiment libéré d'une place désir et pas attendre adan là bas alors ça dit là les pas nécessaire faire salat jumaa alors il fait salat comme dit il fait salat comme dit qui salat alors ben pas faire jumaa. Un analyse qui n'est pas nécessaire faire sur la Jumma, vous citez ça. Alors, quand je ne pas faire la Jumma, qui je vise à faire? Je vise à faire Zohar. Et ça, c'est une chose qui, comme on va dire, les clés, Pena, Papouena, divergence, Lola, celui qui ne peut faire sur la Jumma, ou une excuse, alors il fait sur la Zohar 4-4. Il fait sur la Zohar 4-4 normal. Qui n'est pas nécessaire faire sur la Jumma? Premier, ben, esclave. بان إسلام ده حديث بان السير في صلاة الجمعة، ما في ناس يدلوا لي عشان كذي، يعني يدلوا بينو كذي يا، سي إسلام
Les filles qui ont mis un avec son sommet, faut qu'il fasse du mal. Alors là, il va dire maman, il pas nécessaire de faire du mal. Il est obligé à faire cela du mal. Alors, qui s'en a qui esclave qui du mal pas obligatoire, lui, esclave qui lui, va dire, il est en travail, il est bloqué, pas au sommet. Le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مبلوغ. جمعة obligatoire de chaque musulman, excepté si c'est une madame ou un enfant ou un esclave. Ou bien un esclave. Alors, et là, nous trouvons, on va dire, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle l'esclavage, ça, plusieurs fois, nous faisons une cause, voilà. Et bien, dire, un esclave, pas nécessaire de faire du mal, esclave, qui était musulman, quand même. Un musulman. Il y a un musulman, un esclave. Comment nos frères musulmans, ils nous esclaves? Comment ça? Alors, il y a bon temps pour comprendre comment éliminer un esclave. Comment éliminer un esclave? C'est le champ de bataille, le vin pour la guerre, le vin pour tout. Le champ de bataille, le vin pour tout. Quand on capture une panne d'huile, quand on capture une panne d'huile, alors l'aime la couverture. On casse les. On a ce livre, vous avez dit, mais tu restes comme moi, comme un esclave, manger, boire, et l'habillement, quoi, les mouvements de sallallahu alayhi wa sallam, il y a le musulman, il est mis à l'œil. Ce esclave, manger, boire, l'habillement, normal. Il n'a pas gagné le droit de venir qu'à des travaux qui est en dehors de sa capacité. Un musulman n'a pas gagné le droit de faire dominer le bourrique, le chien, il n'a pas gagné le droit de faire dominer le humain. À ce dire, donc, mais souvent, ce qui vient arriver dans l'histoire de l'islam, ça esclave kafir de l'apprentissage à l'islam. Apprentissage à accepter l'islam. Apprentissage accepter l'islam, parce que quand il bouquet sa façon, il peut être tranquille là. Quand il bouquet le musulman, sa façon, il est content, il peut accepter l'islam. Alors, comment il accepte l'islam? L'islam qui a enseigné, les enseignants, les encourageants qui ont dit, libérez-vous, frère, libérez-vous. Pas dans tout cas, un du monde pour calmer son frère musulman qui est esclave, il est bizani, il est bizani comme ça, esclave, pas vraiment, il n'est pas pour mal agir envers lui. Alors, il est bizani pour son travail, il reste là comme son frère musulman, mais esclave, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage ce qu'il appelle libérer mon frère esclave, libérer mon frère esclave, et donne les choses, libérer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire un esclave, c'est-à-dire qu'il est un kafir, il vient d'être capturé. Après qu'il vient d'être capturé, il vient d'être musulman, les préfères ce soir là, tout le monde n'est pas nécessaire aller parce qu'il y a un travail qu'il est bien faire pour se mettre. Et ça, il y a un ulama qui vient dire qu'il y a un jumal là, qui est un jumal obligatoire à l'ahrar, à l'imundi. ولا نفسان جنف من المندب يجيء وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المدينين الذين لا عذر لهم من الإجماع كي جمعة obligatoire لبان ليب يجمع كيف إسلام لبان جمود ليب من كيف إسلام البالغين من كيف نعتين دارج مبيتي إيه المقيمين من كيف بيبوا يعزين من كيف بيبوا يعزين دارج الأنواع جمعة obligatoire لبان الذين لا عذر لهم. Un qui met une excuse, il est capable. Un qui vous dit, il est capable. Il vient à terre d'âge. Il est capable dans son endroit, mais il y a une excuse. Mais il y a une excuse, il est malade. Ou bien les humains, l'excuse qui est beaucoup plus. Et le Tanya, il dit, « Wujubu ala abdi qawi yun imma mutlaqan wa imma ila adhina la musseigni. » Il dit, l'opinion qui dit salat, tout mal obligatoire, l'esclave, il y a une opinion faux. Soit qu'il nous dit il est obligatoire dans toutes circonstances, soit un esclave ou bien il nous dit qu'il est obligatoire quand son maître fait bien maigri. Et ça, déjà un peu là. Alors, c'est ça qui paraît pour Madia, dans sa circonstance-là, du moins pour obligatoire, même le esclave. Mais, alléluia, il y a dans toutes circonstances, on va vous dire qu'il est possible, les premières possibilités, il paraît difficile. Surtout qu'il y a un hadith, il y a un jumma, là. Qui paye là, le Jumma n'est pas obligatoire ou esclave. Mais, ça esclave là, si ce maître fait dire à lui, moi le Jumma, il n'est pas comme un esclave de ça, ça là non. Ça non, parce qu'il est mis à le faire sur la Jumma, ça c'est l'opinion, il est mis à l'Allah, il paraît d'une opinion fou. Déjà, comment nous venons d'entendre, Jumma est obligatoire, mais il n'est pas obligatoire aux bonnes enfants.
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رواح الجمعة واجب على كل محتلم الصلاة جمعة لذلك قال وسك في سنة في نتان لا يمكن بيديه إذا فكر المسلم البالغ يوبليزي في صلاة جمعة يوبليزي في صلاة جمعة كيف جاء بالغ؟ بالغ بابي جاء جزء من دم بالغ بابي جاء جزء من دم أن قصو إذا فوق دين إذا فوق دخوا يوبليزي في جمعة يوبليزي في جمعة إلى اليابودة Nous envoyons nos enfants dans l'école islamique. Nous envoyons nos enfants dans l'école islamique. Parce que d'abord, l'époque Pachina apporte l'école islamique. Non, islamique là, alhamdulillah. Mais quand on voit l'école islamique, que je viens d'un mal, on donne à Stéa, mais là, à l'école islamique, à l'autant capable, nous envoyons nos enfants dans cette école là, avec le même objectif. Nous mettons l'éducation là, c'est bon dire. Fait comment dire? Et l'éducation académique, c'est pour dire, vos enfants, pas pour gagner un bon résultat de l'école islamique, s'il y a une école historique, c'est pour gagner un bon résultat. Ça, on a dit, on fait ça de toute la tête, si vous voulez avoir vos enfants de l'école islamique, c'est pas pour gagner un bon résultat. Si vous voulez avoir une histoire, je vais vous gagner un bon résultat. Alors, les petits enfants, depuis, ils n'ont pas les enfants de l'école islamique, ils envoient des balles de l'école. Jumma, il n'a pas pour gagner. Zohar, il n'a pas pour gagner. Et comme ça, les plis exposés à Kafir, vous mettez des enfants musulmans dans l'école musulmane, beaucoup plus bon qui n'a pas fait compte, qui va dans l'école Kafir, vous mettez beaucoup plus bon. Et n'a qu'un pays pire. Mais quand vous êtes en gros, quand vous êtes en gros, par exemple, vous êtes musulman, qui fait compte dans l'école musulmane, ce point-là, j'ai bien mis dans l'homme. Après tout, vous devez voir ce qu'il y a, vous en faites une balle. Aux enfants, une blague va aller, on peut questionner comment un enfant, un homme dans la case, par exemple, un homme dans la case, par exemple, tu m'as dit, collège, bah il n'y aura pas de médecins modifiés par la police par les policiers de Kabar par les policiers de tribunal là définitivement un jour il y a des calibres répondent ça les bouddhous qui m'ont coincé alors il y a pourtant on comprend que l'éducation académique il y a pourtant les nationaux pourtant au contraire c'est un point de moyen qui nous capable c'est à dire faire une partie c'est pour la zone un jour on y apprend anglais français comme tout tel qui capable faire beaucoup de choses pour ça pour sa vie là pourtant mais c'est mal. Ça n'a pas priorité, ça. La priorité, c'est d'élever nos enfants dans l'île, d'élever nos enfants d'une façon qui nous met à frayer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce livre. Il y a beaucoup de monde, je ne trouve l'importance envoyer les enfants de l'école islamique. L'école est bien, pourtant, il est obligatoire. Il est obligatoire, même si, on va dire, vous avez fait un petit peu d'économie. D'en manger, d'en boire, d'en ici, d'en là-bas, c'est pas financièrement, mais quand il y a des difficultés, même ça, parce qu'il ou garçon, il est obligé de faire sur la journal, ou garçon, il est obligé de faire du mal. Et le plus pire, c'est qui est arrivé, quand fini l'école, à leçon. Fini l'école, à leçon. Et plonge Zohar, garde. Donc ça aussi, et parfois, par les aussi. Pourquoi parler aussi qu'à la fin des cours, quand il est venu, oh, et Zohar a sa marque, et tous les jours, un garçon va aller de Oulaka, pas faire ni Zohar, ni Zohar, ni Zohar, ni Marie. Alors, pénalité qui est grave, même là, pour continuer aussi, et dire si, allez, pas de Zohar, pas de Zohar, à cause des sons. Alors, on est frère, ça, pas pour passer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nos enfants à l'école, nos enfants à l'école, Et là, pense les autres qu'ils sont, pense les autres solutions, mais pas pense en termes crasse, Zohar, crasse, Jumma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dire que Jumma est obligatoire pour chaque personne qui vient à terre, la Jumma est obligatoire.
e si magia le quelle bella che ci vengono e in avanzasco che vi è giù mai no allora vi dite vuo alle cose ma la vivi alle affere che vi è sa che ti so che tu capa affere le giù ma lo van madame giù ma lo van madame li fa obbligato li fa obbligato quasi si fa obbligato en general nous dire madame pas encouragé pour une Pour une masjid, pas encourager, pour une masjid, faire quelque chose de clair, ça, faire quelque chose de clair, parce qu'il y en a un peu d'aïe, un petit esprit, je te présente, moi, nous, ma noire habit, nous encourage madame, une masjid, encourage madame, une masjid. Non, pas encourage madame, une masjid. Le prophète, il décourage madame, une masjid. Et là-dedans, définitivement, c'est quand vous réfléchir, il y a une grande leçon là-dedans. Il y a une grande leçon là-dedans. Si jusqu'à Qiyama, Nous supposons qu'il décourage madame pour le masjid, qui sa place, qui comme dire, quoi dire, moins fitna qui masjid, qui comme dire, ok madame, allez, dans le casque de vous. Qui place, qui moins fitna, qui propre qui masjid, que nous gardons madame, correct, nous encourage toi. Si dans le masjid, vous pouvez décourager madame, pas, meilleur est dans la case, meilleur est dans la case. Si Damasie nous dit meilleur est dans la case, mais dans la roue ou bien le petit paquet, définitivement, madame, meilleur reste dans la case, ça c'est quelque chose qui est clair dans le livre. Pour Jumma aussi, même qui, quand vous venez Jumma pour écouter un khutba, et khutba c'est un rappel, il profite puis au mandiman, définitivement, il y en a sur l'importance. Il y en a sur l'importance. Mais ce n'est pas obligatoire. Et si elle, madame, il y a, si sa route va du malaki, elle va se voiler, c'est son moyen augmente, c'est son moyen à prendre. Alors dans ce cas-là, peut-être, ce jour-là, il est capable, il est obligatoire, il écoute route bas. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés à prendre. Il y a des gens qui sont obligés à prendre. Alors dans ça, l'optique-là, peut-être. Mais si il bégaye, quoi prendre? Non. Les autres façons, alors du moins par contre, obligatoire, le holi. Le gars, rapportez-moi à vous, Amr al-Shaybani, il dit Annahu ra'a ibn Mas'ud yukhriju al-nisa'a min al-masjid yawm al-jum'a wa yaqul ukhrujna ila buyutikunna khayrun lakunna. Vous vous trouvez une masoude, radiallahu anhu, mais pousse pas madame de l'imazid, je vous m'a dit, allez la case, meilleur pour vous autres. Allez la case, meilleur pour vous autres. Alors, ça, c'est un hasard. Mais montrez-nous, ben, Sahabi, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, peut décroise madame Jumma, et peut-être, c'est. J'ai dit, mais madame, allez à la carte. Peut-être dans sa lettre-là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans la masjid. Alors, dans sa circonstance-là, il me dit, sortez-y. Oh, bien, pas nécessaire à beaucoup de monde, pas nécessaire pour madame, il y a beaucoup de monde. Il est toujours qui, madame, mais il y a un avance dans. Dans le cas, toujours, qui madame, meilleur fait la marche, tout le monde, bien naturellement, tout à fait, sous son mandat, d'accord. Alors, ça, à table-là, il est authentique. Et c'est comme ça qu'il nous comprend, définitivement. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit avec madame qui n'assiste pas, il écoute ce Jumma, il rapporte, quoi de vous, vous pouvez dire, c'est passé, voilà. Vous pouvez dire. Ben madame, je vais venir et d'aller pour voir le Sahaba, il est toujours comme ça. Action de Masoud, radiallahu anhu, il va comprendre plus qui c'est que les paroles des prophètes qui prouvaient madame, mais il y avait la masse dans la carte. Alors, il y a un Hanafi avec. Je me prends ça à la table que je dis madame, pas un roi de masjid. Pas un roi, vite masjid. Alors, définitivement, ça c'est une exagération dans l'île Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je donne l'explication, une réponse avant qu'il dit à madame, par exemple, ville masjid. Et action d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, parole d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, faut lui dire, repousse par madame Poilier. Repousse par madame Poilier. Qui veut dire repousse par madame Poilier? Je fais namaz à masjid.
mais seulement qui s'est parlé, qui veut se parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur saf dans madame qui était ma dernière saf. Tandis que le monsieur, le premier saf. Le premier Mas'oud radiallahu anhu bejia repousse madame. Alors hier, pour que la grâce une place alors hier, alors il y a très clair que le Mas'oud radiallahu anhu à aucun moment n'est pas un bejia haram pour. Madame vient faire salat Juma pour venir mas masjid. Le mandir jour et dire. Wa ajma'u ala an la jumu'ata ala nisa ina ijma' ki bina Juma lo madame est pas obligatoire lo madame et dire. Wa ajma'u ala annahunna in hadarna al imam fa sallayna ma'a an dhalika mujzin annahunna. Et bien les savants ont unanime tout d'accord là. Si sa madame qui pas Juma pas obligatoire lui limite Juma l'infère Juma compter ce Juma compter alors pas pour pas vous dire donc te pas disposer vers Juma de faire Juma bien faire Juma non c'est de faire Juma ce Juma les compter cher Ibaz rahimahullah les gens wajib ala ba'd an tusalli salat adh-dhuhr يوم الجمعة بعد الزوال كسائر الأيام obligatoire madame c'est qu'il fait son amas zohar dans ce cas vos jumma après zawal pareillement tous les autres jours ça c'est obligatoire oui ça c'est obligatoire oui mais s'il fait une jumma il bon parfois capable de l'imaginer de certaines circonstances de certains cas et peut-être dans certains cas on capable d'y aller obligatoire dans quelle façon si sa madame là il a un seul moyen pour y apprendre c'est qu'il est au bas Jumma, Maloula, la madame obligée à faire se dit, mais je suis dans l'époque à son Jésus, YouTube, le club, il y a une chose qui est vraiment les pays dans sa bande, Jumma n'est pas obligatoire, l'eau va malade, et ça, c'est malgré le général qui vient de montrer, dans l'époque à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, maladie, qui an excuse pour pas venir malade. Le Mas'oud radiallahu anhu dit qui dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est la personne qui croit ne pas se faire courir d'abas et c'est regardé un munafik ça finit qu'on est munafik ça c'est qui pas trop d'abas et munafik ça il a accepté qu'il était malade malade qu'on est malade sinon celui qui pas trop courir d'abas et si ou pas d'abas et qu'on doit être alors ça c'est un ainsi ni fa comme ça même bien la Juma l'eau voyager bien la Juma l'eau voyager Rasulullah Ibn Umar radiallahu anhu dit la Jumu'ata ala al-musafir bien la Juma l'eau en voyager et Ibn Mundir dit وقد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة يكون كي دحج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمبت صلى الله عليه وسلم زو كني شي عرفة تنزو غاندي تنزو باندريجي زو عرفة تنزو باندريجي اللي جي اللي كوني كي سأسولا اللي بوين باتش فيها جمعة اللي باتش فيها جمعة اللي فيها زهر ما يفي فيها زهر اللي فيها فدل ذلك بفعله على أن لا جمعة على المسافر. إذا صح بين كي ويازيا بين جمعة obligatoire لو لي جمعة pas obligatoire لو لي. مي دان سك دان دان كا إلى أن ويازيا لبو بيزا على جمعة دان كا ويازيا لبو بيزا على جمعة سكيدي. سيدي دان إلا لبتان أذان Exemple, un djimoun. L'émile vers business Maurice. L'émile vers business Maurice. Et son business, c'est pas grand B, c'est pas périmé. Et les gars bâtiments près là, vers les vérités. Et là, ce bâtiment, qui est vers business. Dans le moment qui, par exemple, il est venu, Adam, là, il a même là, il dit non, moi, je voyage à moi, parce qu'il est cinquième, on a pas vers business, ou parce qu'il est. Elle disait, moi je fais bien business, définitivement ça va pas, pas accepter de se voir. Pareil, pour les autres bonnes salades. Les autres bonnes salades, quand on connaît le voyageur, il n'est pas nécessaire, il n'est pas fait 4 à 4, il fait seulement des lacards, et il y a un droit qui était, je vais à la salle, mais il n'est déjà. Alors, même ça fait, vous voyez, l'île là,
أزان بيدوني بيفزوها اللي بيتونا هذا إذا نو مو تعالى مكفية أسيب مكفزوها لسال سا إباك سيبتي كوتان أزان مجمع مسجد لدون إن سوز كي أبوتان En vérité, sa jamaat, elle n'est pas obligatoire de voyager. Sa jumma, elle n'est pas obligatoire de voyager. Mais quand il dit donne, quand il donne adhan, là on n'est pas capable. Hayya ala salah, hayya ala falah, mais j'ai oublié de musulman, mais pas de tourisme à l'église. Si jumma pas c'est obligatoire, quand il donne adhan, il vous a venu, parce que c'est lui qui m'a dit, jumma là obligatoire, ou il n'a pas venu, il est plus timant. Il veut faire un gros péché. لو كان شيخ ثامن يجي اذا كان من لا تلزم الجمعه ممن يرجى ان يزول عذره ويدركها فالافضل ان ينتظر وان كان ممن لا يرجى ان يزول عذره فالافضل تقديم الصلاه في اول وقتها الميكوز كونسيرنان ان فواياجير كي كما جاء اللي كباب gai jumma ou bien les garçons tordis ou bien les alvins ils ne peuvent pas ce jumma et ils retardent ce voyage alors définitivement si il y en a une excuse pour qui bien avant qu'il peut obliger faire ce trajet dans cette circonstance là Il fait ce jumma, bien sûr, jumma. Et nous avons un comité fatwa, il dit « Wa amma in kanat al-sharika fi balda tuqam fiha al-jumma ou qariba minha bi haythu tasma'un al-adhan ou kana ma'akum mustawtinun biha mimman tajibu alayhim al-jumma fatajibu alayhim salatu al-jumma bittaba' al-mustawtinin bil balda ou al-sharika » Il y a une compagnie qui travaillait à l'étranger. Là. Et sa compagnie a travaillé à l'étranger. Et il a travaillé à l'étranger. Et seulement. Et il a une masjid près. Tout mal étranger, là, je me travaille. Mais là, je ne suis pas construit comme habitant ici. Après, je suis allé. Mais quand je me donne un âme, je me suis allé. Il y a même des affaires, c'est formidable. Il y a un âme qui est habitant ici. Il va travailler avec son compagnie là, il n'a pas de capitaux, et je vais faire Jumma. Alors, ben là, ils vont faire, puis ils vont faire Jumma. Et l'autre, c'est ben Bédouin, ben qui vit dans le désert. Imam Ahmad ibn Taymiyyah, rahimahullah, déjà, on parle de l'imam Ahmad, les al-Badiyati, Jumma, les al-Nawmi, les al-Taqiloni. Ben qui vit dans ben Bédouin, ben à Jumma, pour eux, parce qu'ils ont ben qui déplacé. Je ban qui reste déplacé, je ban la place fixe qui je vais rester, je vais les places déplacées, je vais rôder l'eau. Et c'est pas en là qui ban la magie. C'est lui qui peut vivre dans le désir, mais il n'est pas déplacé. Je crois que je suis dans le désir, mais c'est moi, comment dire, je suis dans le village. Alors qu'il dit, tu m'as obligatoire aux autres. Jumma obligatoire aux autres. Qui ban qui Imam Ahmad fin dire Jumma pas obligatoire aux autres. Qui ban Bédouin qui dit Jumma pas obligatoire aux autres. C'est ban qui un nomade. Vous êtes ici, là-bas, ici, c'est ban là. Et j'ai peine à Jumma pour aux autres. Mais tandis que je ne sais pas une place, ou là, une place, même sur ta désir. Même comment je t'appare, la case d'appare, la case, je ne sais pas, avec la peau savon. Je peux rester là, je peux rester là même là. Alors là, même qui c'est un village, je vais faire Jumma. Et là, ma salaf qui dit, ben Jumma, on habite en village. Ben Jumma, on habite en village. Par exemple, le Deifa, il dit, radiallahu an, les al-an al-qura Jumma. وإن الجمعة جمعة وإن الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن بين الجمعة وبالنوبة نعمدان village, ben qui reste dans le village, Jumma pas obligatoire. Les autres, Jumma est obligatoire, ben qui reste dans la ville. Ben là, la ville. Alors, même ça fait, ben on là-bas, il explique ça. C'est, ben le village, comment dire, c'est, je me dis plutôt, ben des gens qui, je pas peut s'installer un place, un petit groupe de gens, un petit groupe de gens qui, je ne pas pour rester là, on va dire continuellement. Mais si je suis dans le village, Et je vais rester là-même. Alors, définitivement,
Jumma li obligatoire le aux autres par Abdul Aziz via je vais faire Jumma si je pas pouvoir voyager et nous gagner à شيخ بن باز جابه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام صلاه الجمعه في المدينه وهي في اول الهجره في حكم القرى اجا ان تخبري ان تو بروميير جمعة كي لو ريفي في هذا دا مدينه سا لي بروبليم دو باش رابيل دو باش دو باش كاب ابل مدينه كي دي ان لا فيل سا لي بروبليم مدينه شي كي دي تي كومان لي تي كومان ان ان فيلاج الو لو بينو بلي فو سي Jumma est obligatoire, l'Oban habite en village, est obligatoire, l'Oban habitant la ville. Si pas obligatoire, l'O certain habitant village, c'est pas un habitant village qui dit, on va dire, je ne pas péris en, en place. Et le deux, c'est tout une cause valable qui n'est pas nécessaire à le faire sur la Jamaat, dans Masjid, Jamaat, Zohar Salman de Bécha. Une fois qu'il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte, il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. Il y a une excuse valable pour ne pas le faire sur l'acte. En Jamaat, il y a une malade, il y a une équipe malade. C'est comme ça. Même l'appui, vous trouvez, c'est pas une pas excuse, pas nécessaire de faire salat en Jamaat, alors pas nécessaire de faire salat, Jumma. Et concernant l'appui même, vous trouvez, rapporté par Abdullah ibn Harith, il dit, quand il y a une base, il y a une dîner, فيوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم ابن عباس أنفوا حبيب تنبيج مؤذن كتجية أشهد أن لا إله إلا الله فلا حي على الصلاة نجية صلوا في بيوتكم أبقي أشهد أن محمد رسول الله جية صلوا في بيوتكم فأنا ما أصدر لك فكأن الناس استنكروا فعله Alors, Benjamin, quoi dire, il trouve ça drôle. Là, il dit, قال فعله من هو خير مني. Abbas, c'est lui qui veillait qui moi, il fait ça. C'est lui qui veillait qui moi, il fait ça. Le prophète, il dit, إن الجمعة عزمة وإن كرهت أن أخرج. رجعكم فتمشون في الطين والدحم. Il dit, Jumma est obligatoire, oui, mais seulement mort dans la boue. Mort dans la terre, glisser, capable de tomber, et dire ça, il y a une raison, il y a une excuse pour pas venir, Jumma, alors on va faire une quoi, il y a dans la peine, dans la difficulté, mort dans la boue, mort dans la place où capable de glisser, pour venir, Jumma, alors, le trouve, c'est une carrière dans la terre, comme ça peut tomber, peut-être qu'on pourrait une difficulté, alors il n'est pas nécessaire, venir, Jumma, Jumma. Le gars est rapporté par Nafi Ibn Umar, ذكر له أن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل وكان بدريا مريض في يوم جمعة الجوانجي Nafi Ibn Umar qui a dit سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل طبعا c'est le بدري طبعا الجس ابن نفيل جنة ابن عمر في كان نفيل qui est malade لي مالات قبلي من البوسكولي من البوسكو ابن عمر فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة إجيا تي فيني قد تبلا لعسوني جمعة تي فيني كستي كان يتاني أنت مالات بنالي بنال بنالي سوفامي اللي بفهم فيه صلاة جمعة اللي بفهم فيه صلاة جمعة لو بعز الأولى ولا ما جيا سوي كيف بيزن أو كيف أن 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 مالاد أن أو كيف بيجي وما جيا اللي بفهم قاعد فيه جمعة ألو اللي بفهم سيسي على فيه جمعة إيه يبي يجي ما كي صوص كي important نتو نو بفوا نو فيه c'est quelque chose et nous plaignons quoi c'est quelque chose ou bien nous la vie d'une façon
quand arrive un minute quelque chose, vous allez ressentir ça, il dérange vous la vie. Par exemple, Alors, définitivement, un musulman, même qu'il ait une planification pour faire, même qu'il ait des pensées pour faire, quand arrive une petite chose pareille, il ne faudrait pas, comment dire, les faire aller avec, comment dire, mais il concerne l'occasion, parce que si on réfléchit, un petit monde, il n'est pas préparé du mal, il peut occuper le malade, mais ça occupe mal avec un ibad, ça. Dans prison, ou bien place la même que le prisonnier n'est capable d'aller, il est capable de faire du mal. Alors, dans sa circonstance-là, il est obligé à faire du mal. L'autre qui finit la fatwa, l'autre qui n'est pas nécessaire, je fais du mal, je fais du mal après, c'est un policier dans l'État islamique. Quand dans ce moment-là, je me disais un travail pour sécurité, médias. Masjid, sécurité, Moussali, alors il n'y a pas une question, tout pour les chérons. Dans un moment-là, je vais travailler dans chaque chose-là. Je vais vous donner le mot, mais c'est ma caméra, quelque chose comme ça. Alors, dans ce cas-là, les bébés avaient quelque chose. Et ça, quelque chose qui les avait dans l'avantage, qui était mal, pas le musulman. Il y avait quelque chose pour lui, il y avait quelque chose dans l'avantage, pas le musulman. Alors, finira, comme il dit, fatwa, la rabbi ça veut dire, dans sa bancala, je ne fais pas du mal obligatoire. Et ça, c'est, du mal pas obligatoire, aux autres. Ensuite, il y a le mas'ala concernant l'obligation sur la djumma. Est-ce qu'il présente khalifa, ou bien michou khalifa? Il y a une condition. Alors, quand on dit ça, il n'y a pas une condition. Et une fois qu'il y a un pays musulman, un pays kafir, quand nous sommes capables de faire du mal, nous n'avons pas la permission avec un vrai khalifa ou bien amir de la musulman de permission de la prière, inshallah, du mal. Quand on dit qu'il y a un khwan, si tant c'est exagéré concernant l'État islamique, Khalifa, alors il n'y a pas besoin qu'il vienne dire ça, cette chose-là. Mais tu m'as pas obligatoire, vous prenez la Khalifa, prenez l'État islamique, là, tu m'as parlé comme un Hizb ut-Tahrir, déjà une madame qui m'a été habillée, elle est enceinte. Pas ce moment-là, elle dit rien, hein. Là, le moment, c'est mettre Khalifa. Là, vraiment, le Khalifa, quand je dis le Khalifa, il y a un objet de l'Ukraine. Il y a un objet de l'Ukraine, ça c'est pas qui, je tiens, je ne sais pas si je comprends l'islam, définitivement. Et cela, Jumu'ah, définitivement, Jumu'ah, même les rassemblements, Péna, cela, Jumu'ah individuel. Péna, cela, Jumu'ah individuel, Kuma, un démon de Rajoual, en Jamaat, le Rajoual, individuel. L'hydrate à sol en Jamaat, il y avait tout le monde qui a une rate en Jamaat qui était fini. Et j'ai terminé, j'ai dit à Jamaat, Shartun, et le Jamaat, il y avait des parts. C'est ça, mais la division sur la Jamaat, il y a une condition pour Salat, Jamaat. Et le cas, c'est est-ce qu'il est obligé de faire dans Masjid même ou bien non? Est-ce qu'il est obligé de faire dans Masjid même ou bien non? Alors,
كانوا مقدبان حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم بيدروا في صلاة الجمعة دون المسجد. Mais ce n'est pas une condition, comme la Madia, n'est pas une condition pour faire Salat Jumma dans un masjid. N'est pas une condition pour faire Salat Jumma dans un masjid. Par exemple, tu arrives à un bakri, tu fais où, tu l'appelles avant de l'esprit, tu dis non, pas faire Zis. Zis, quoi, Mélé? Zis, namaz, il qui fait de la peine. Tu ne peux pas arriver à la peine parce qu'il y a une sunna, ça. Pas de faire namaz Jumma ou la peine parce qu'il soutient ça. Il a dit on dit c'est dans l'esprit cabossé, travers, je trouve juste négatif. Je trouve juste négatif. Soit genre, le prophète est arrivé en plein air, ça va même faire Jumma en plein air et rire, vida. Le pas de faire Jumma en plein air. C'était un jour où on allait bronzer, masjid, tchitchitchi, là-bas c'est la place qu'on m'a dit les déserts. Disponible à cause qui t'y ferait dans sa place là, alors il n'est pas une condition pour faire Jumma dans Masjid et pour ça, je ne vais pas dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire Jumma, non, mais si je vais dire dans un pays, surtout un pays qui a fait l'Europe, quand finira un groupe musulman, on accepte l'islam, je peux aller dans Masjid pour faire Jumma, alors. Dans la case, entre ceux qui ont fait ce salat, Jumma, entre ceux qui ont fait ce salat, Jumma, comme il était fatal, avant de s'en dire, le salat, Jumma, il a dit, il a dit, ben, on y a eu un bourra, ben, il m'a dit, il a masqué, il a masqué, il a Jumma, les draps sont les madame, ceux enfants, il a Jumma, il a sur la case, il dit, ça Jumma là, par contre, ça Jumma là, par contre, parce qu'il vous a fait un Jumma, hein. Avec tout bas musulman. Alors, ça c'est concernant. Déjà, pas pépé dans la masjid, pépé la carte. Pépé les masjid, pour faire Jumma dans la carte, pépé les masjid, ou aller pour faire un djibou, un djibou, ça il n'a pas, il n'a pas faute. Mais, si vous m'avez dit, pépé la masjid, il n'a pas un problème. Si une jeune place, pépé la Jumma, il n'a pas un problème. Par exemple, vous voyez, les îles. Mais à l'hôpital, côté là, le musulman peut travailler là-bas, pas nécessaire à le faire dans, pas besoin de faire des masjid, dans l'hôpital même place, faire un khutba, pas nécessaire faire un khutba avec lui. 30 minutes, d'ailleurs, puis khutba de Mouli, les meilleurs, les khutba de Mouli, les meilleurs, un jour, les montés, les faire un khutba, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, faire ce Jumma, des rakats, alors. Jumma, il finit à quoi pas nécessaire, obligé, quoi de faire dans masjid. Au contraire, finit la question, faire Jumma dans masjid, quand n'a pas fait Zohar. Quand dans masjid, il n'a pas fait Zohar, parce qu'il n'a pas fait Jumma là-bas, alors au comité fatwa là-bas, ça veut dire, pas après, il n'a qu'à empêcher. Mais pas une condition, faudrait faire Zohar, et là, faire Jumma, alors si vous m'avez dit, dans l'endroit, il y a 5-6 masjid. 5-6 masjid. Et ça n'a pas fait 5 fois namaz, ou ça n'a pas fait 10 namaz. C'est pas. Les larges n'ont pas gagné. Le parfait, ils sont là-bas. Mais c'est mal les plus grands. C'est mal les plus grands. Alors, tout le monde se devait faire ici, il n'a pas un problème. Alors, comme il était fatwa l'Arabie Saoudite, il dit Inna kuntu salouna jumma'a fi mahalli amalikum. Je fais un jumma dans la place que je vais travailler. Je fais un jumma dans la place que je vais travailler. Il n'a pas un problème, c'est pas payé pour le masjid. C'est pas payé pour le masjid. Un jumma, quand je dis que je fais un jumma. Et faire un jumma dans le seul masjid, ça c'est quelque chose qui, pendant un lama, il a condamné ça. Il n'a pas une chose qui est correcte. Nous avons un comité de fatwa de l'Arabie Saoudite de dire « Incha'u jumu'ataini fi masjid wahid ghayru ja'iz shar'an » Il dit « Fait des jumma dans seul masjid, un jumma fini, après le deuxième jumma, il dit « Ça, il n'a pas islamique, wala na'alam anna law aslan fi din illa » Il dit par contre qu'il y a quelque chose dans l'île d'Allah, ou l'asr, en tout cas,
جمعة واحدة في البلد الواحد ولا تتعدد الجمعة إلا لعذر شرعي. إذا أنكم تخيل دعنا نقوى بيزا فينا بلس كان جمعة وطيب بينا بلس كان جمعة دعنا نقوى إلي جيا سي إنا نقر جمعة فده كي سيبوا الكوز وده سيبوا الكوز سيبا بيان كوز إسلامي بيان كوز بيان كوموا porque o Maria não quer que o outro bimba ela quer que o bimba dê um masjid e se o Maria não paga que o feia o bimba no masjid ela lhe põe uma razão para que o bimba dê um masjid só quando quando Allah subhanahu wa taala alô feia de o bimba dê um sel masjid só lina pa corre se dá um lugar ou bem precisa feia de o bimba alô feia lhe dê um lugar peut-être si peine un deuxième place, excepté sa résidence, alors dans ce cas-là, peut-être les vous passez, les gens, si j'ai acheté la ligne, est différent. Mais comme je dis, nous pouvons faire un djumma, midi et demi, pour un deuxième djumma, et demi, ça, non. Mais pas capable de faire autrement, et. Il y a des gens qui travaillent, qui me délire. Et puis, il y a une autre place à prendre. Ça, elle, c'est le masjid là. Alors, peut-être dans ce cas-là, il y a quelque chose qui peut, les beaux passer. Alors, c'est ça, nos explications pour aujourd'hui. Inch'Allah, et c'est un peu ça, on continue. Sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sallam, 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 w